RTCI nous réunit. Au fil du web vous est présenté par Richard Richie. Richard Richie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Emma. Alors Aïssa, ce soir nous allons commencer par parler de la visite qu'entreprend le président Bejirai Deceppsi en Italie, un sujet qui occupe une bonne partie de l'actualité de ce jeudi 9 février 2017. Exact, vu que Bejirai Deceppsi est au deuxième jour de sa visite en Italie, une visite qui revêt une importance capitale vu les relations qu'entretiennent nos deux pays. Pour la Tunisie, l'Italie est le deuxième partenaire économique et commercial avec un volume d'échange de 10 000 milliards de dinars en 2016. L'Italie est aussi le deuxième pourvoyeur en termes d'investissement direct étranger et quatrième marché touristique, sans compter que c'est également le principal bailleur de fonds de la Tunisie. Alors une visite également fructueuse, dans le sens où plusieurs accords ont été signés lors d'une cérémonie qui a été présidée aujourd'hui par le président de la République, notamment un mémorandum d'accord de coopération sur le développement pour la période 2017-2020, moyennant un financement d'un montant de 165,5 millions d'euros, donc 100 millions d'euros à titre de prêt, 65 à titre de don. Et ce discours qui retient l'attention et qui a été prononcé hier par le chef de l'État devant le Sénat italien, discours où il fait état des similitudes qui existent entre nos deux peuples en demandant la levée des restrictions de voyage envers la Tunisie. Effectivement, Bejirai Deceppsi qui a assuré aux Italiens que la Tunisie est désormais un pays stable et sécurisé. Concernant le tourisme, Bejirai Deceppsi a mentionné que traditionnellement, il existait une dynamique touristique importante entre les deux pays et que les Italiens venaient nombreux car les traditions gastronomiques italiennes et tunisiennes sont identiques. Il renchérit, je cite, « Les Tunisiens mangent plus de spaghetti que les Italiens ». C'est vrai, hein, je ne peux pas contredire ce que vient de dire le président. On mange beaucoup de pâtes, mais de là à détrôner l'Italie, c'est quand même osé. Effectivement, donc on ne détrône pas l'Italie. Hein, donc effectivement, vu que selon des études récentes, les Tunisiens sont les deuxièmes consommateurs de pâtes alimentaires au monde. Donc on seconde l'Italie, hein, championne dans le domaine, et on se place quand même avant la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Iran et la France. Alors des statistiques qui ont été réalisées par l'Union des associations de fabricants de pâtes alimentaires de l'Union européenne, font aussi état d'une production tunisienne qui a atteint 333 000 tonnes, donc un peu plus de pâtes par an. Alors les Tunisiens consomment en moyenne 16 kg de pâtes par personne et par an. La consommation annuelle en Italie, elle se chiffre à 23 kg par habitant. On va tout de suite parler de Saraha, franchise, je crois qu'on pourrait traduire cela ainsi. Il s'agit d'une application star, hein, un peu, du moment. Plus qu'une application, il faut dire que c'est un véritable phénomène sur les réseaux sociaux qui fait le buzz actuellement. Effectivement, alors je ne sais pas pour toi, mais mon profil est inondé, comme ceux de tous mes amis d'ailleurs. Le concept de Saraha, donc franchise en français, c'est simple. C'est envoyer des messages à des amis virtuels sous couvert d'anonymat. Un anonymat qui est stimulant pour certains, qui se permettent une certaine franchise. Alors l'application qui permet donc aux autres de vous envoyer un message anonyme, une déclaration, une insulte, un compliment, une critique, peu importe, à lâcher prise collectif dans le bon et le mauvais sens pour le Huffington Post, justement qui consacre une page sur son site. Devenu viral ces derniers jours sur la toile, certains apprécient le concept, d'autres y voient une forme de lâcheté et d'hypocrisie. Mais au-delà de cette application, donc le Huffington Post pose la question de savoir ce que reflète l'engouement pour tout ce qui a trait avec le regard des autres et spécialement sur les réseaux sociaux. Sincèrement, je ne vois pas aller où la Saraha ou la franchise si les messages restent anonymes. Tout est là. Alors pour Mounet Sraheri, psychologue clinicienne, il s'agit de répondre à un certain besoin qui consiste à flatter son ego. Oui, elle explique que lorsqu'on va avoir l'avis des autres, que ce soit positif ou négatif,
Cela nous prouve qu'il y en a d'autres qui s'intéressent à nous, qu'on existe auprès du groupe en quelque sorte, et c'est à ce moment-là qu'on parle d'affiliation sociale. Alors, selon elle, le fait de vouloir plaire afin d'intégrer le groupe, donc recevoir les avis des autres sans pour autant savoir qui est derrière, eh ben, ça peut être très réconfortant parce qu'on ne va pas être forcément dans le conflit direct, mais on va plutôt donc répondre à une curiosité. Bref, le phénomène continue de se propager sur la toile. Voilà, donc bon, moi j'ai toujours pas testé, je pense pas que je vais essayer, mais bon, ça a l'air de plaire à certains quand même. Et pour terminer, une information qui circule pas mal sur la toile, le secrétaire à la sécurité intérieure John Kelly a déclaré que les ambassades américaines pourraient exiger des demandeurs de visa les mots de passe pour accéder à leurs comptes sur les réseaux sociaux afin de procéder à des vérifications plus poussées. Effectivement. C'est osé. C'est osé. Si c'est vrai, c'est osé. Eh ben, si, effectivement, si ça se concrétise, c'est très osé, comme tu le dis. Facebook, donc, qui pourrait être... donc passer au crible des autorités américaines qui vont décider de donner ou non le visa. Et ils vont faire quoi des faux profils ? Ah bah c'est une bonne question, c'est une bonne question. Et je pense déjà qu'ils vont vérifier que c'est vraiment les vrais, puis voir un peu. En tout cas, c'est ce que Donald Trump avait qualifié de vérification extrême. Mmh. Alors, cela concerne tout particulièrement les ressortissants de 7 pays aux populations majoritairement musulmanes, Iran, Syrie, Libye, Irak, Somalie, Soudan et Yémen, dont les procédures de contrôle sont très faibles, selon John Kelly, donc... le secrétaire à la sécurité. Donc nous voulons avoir la possibilité de consulter leurs réseaux sociaux avec les mots de passe. Il est très difficile de faire de véritables contrôles dans ces pays, donc dans ces 7 pays. Mais s'ils viennent, nous voulons pouvoir dire quel site internet ils consultent et qu'ils nous donnent leurs mots de passe pour que nous sachions ce qu'ils font sur internet. Donc fallait oser, comme tu le dis. John Kelly qui a souligné qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet. Donc espérons, faudrait déjà que le décret Trump soit accepté en justice, passe, mais donc ces contrôles renforcés seront certainement appliqués à l'avenir, même si cela signifie des délais plus longs pour l'attribution de visa, en tout cas ça promet. En tout cas Trump ne passe pas inaperçu, hein. Ah non, aussi bien qu'un éléphant dans une cuisine. Alors là, pas du tout. Merci beaucoup, Aïssa. On se dit à demain, 17h30. À lundi, plutôt. Oh, plutôt à lundi. À lundi. Bon week-end.